Salut Julia. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, je vais très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier? J'ai commencé la journée tôt et j'ai fait beaucoup de tâches ménagères. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai posté des lettres. Et j'ai lavé mes vêtements. Qu'est-ce que tu as fait après ça? Après cela, je suis allée chez mes grands-parents. C'était formidable. Ils habitent près d'un grand parc. J'ai promené le chien au parc. Et après cela, j'ai fait de l'équitation. C'était vraiment fantastique, j'adore les chevaux. Qu'est-ce que tu as fait l'après-midi? L'après-midi, je suis sortie avec mon cousin. Nous sommes allés au cinéma. Quel film as-tu regardé? Nous avons regardé Les Misérables. Est-ce que tu as aimé le film? Oui, bien sûr. C'était incroyable. Qu'est-ce que tu as fait la nuit dernière? À la maison, j'ai préparé le dîner et j'ai regardé la télé, mais c'était vraiment ennuyeux. Donc, j'ai téléphoné à des amis pour les inviter chez moi. C'est génial. Alors, Julia, tu veux prendre un café? Non, merci. J'ai un rendez-vous à 14h. À plus tard. D'accord. À bientôt, au revoir. Qu'est-ce que tu regardes à la télé, ma chérie? Je regarde un reportage sur la Tour Eiffel. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Gustave Eiffel, qui a notamment participé à la construction de la Tour Eiffel à Paris. Gustave Eiffel est né à Dijon en 1832. Il a fait des études à Paris. Et ensuite, il a travaillé comme ingénieur sur de nombreux projets de construction, par exemple, d'un pont de chemin de fer à Bordeaux, d'un viaduc au Portugal et d'une gare en Hongrie. Mais sa plus grande œuvre était, sans doute, la Tour Eiffel. Il a commencé la construction de la tour en 1887 et deux ans plus tard, en 1889, la tour a été terminée. Gustave Eiffel est mort à Paris en 1923. Mais sa tour a continué à attirer de nombreux visiteurs. C'était incroyable. Salut Nathalie. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, je vais très bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? J'ai fait beaucoup de choses.
samedi. Je suis allée faire du shopping. Qu'est-ce que tu as acheté ? J'ai acheté une nouvelle robe. Et j'ai aussi joué au billard. Avec qui as-tu joué ? J'ai joué avec mon ami, Jacques. Est-ce que tu as gagné ? Oui, bien sûr, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as fait, après avoir joué, au billard ? Je suis rentrée chez moi, et j'ai pris une douche. Puis, je suis sortie. As-tu mangé, dans un restaurant ? Oui, mon ami Jacques, et moi, nous avons dîné au restaurant Paloma. Tu t'es amusée, là-bas ? Oui, je me suis beaucoup amusée. Nous avons également bu du vin merveilleux. Mais, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier ? Malheureusement, je ne suis pas sortie ce week-end. Je n'ai pas mangé dans un restaurant et je n'ai pas joué au billard. Je suis restée à la maison et j'ai étudié pour mon examen. Quel dommage. Salut Monica, comment vas-tu ? Je vais très bien. Merci. Et toi ? Je vais bien, aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Comment as-tu passé le temps pendant le confinement ? Je te dis tout ce que j'ai fait pendant ce confinement. J'ai fait du yoga tous les jours. Et l'impact sur ma santé mentale a été incroyable. J'ai 2 enfants et je les ai aidés avec leurs devoirs. Et j'ai enfin rangé le bazar dans notre chambre d'amis. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement ? J'ai plutôt bien vécu mon confinement. J'ai commencé à écrire des articles. J'ai suivi des cours d'espagnol en ligne. J'ai cuisiné. Je n'ai jamais passé autant de temps derrière les fourneaux. J'ai aussi pris le temps de tester de nouvelles recettes. C'est formidable. J'espère que tout ira bien le plus tôt possible. J'espère la même. D'accord, je dois partir maintenant. Je t'appellerai plus tard. Bonne journée. Merci, au revoir.